Dis, c'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Par contre, il a pas l'air commode. Il est mignon, c'est déjà ça. C'est reparti. Les visages, ça compte, c'est vrai, non? Et moi, je suis pas au même niveau, c'est ça? Donc, tu joues pas dans la même catégorie? Allez, c'est bon. J'aurais pas dû demander. C'est comme comparer... C'est bon, je t'ai dit. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? Wedge. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, mais ça devrait aller. Attends un peu. Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là? Ferme vite. Merde. Tu ferais mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Il est seul contre nous. Il a une chance. Passons à la suite. Ça donne des frissons! Concentre-toi! On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin,
C'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Couvre nos arrières. T'es un ami de Tifa, à ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche ? Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako ? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas ? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi ? Hein ? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud ! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça ? Ben ouais ! Va te faire soigner. Ouh. Hein ? Tu te fous de moi ? Oublie la planète 2 secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. Ouh. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. Si jamais qu'un gros tas de ferraille. Si tu veux pas mourir. Si tu veux faire quoi ? Dis-moi, tu m'as l'air jeune. Je suis première classe. Hein ? En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on te dit que t'es jeune, c'est ton âge qu'on parle ! Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein ? D'accord, d'accord. Première classe ! Et un an d'âge mental ! J'essaierai de m'en souvenir ! Au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. On approche. On approche. Ça sent
La Mako a plein nez. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres! Dans 20 minutes. Ah, prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Wedge nous assure une voie de secours. On fonce vers la sortie. Ça va? Pas vraiment. Ma jambe est restée.
ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là. Dépêche-toi. Tais-toi et grimpe. Tu gaspilles ton souffle. Non, mais non. Si je parle pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Et maintenant? Tu pars devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Et vous? Soldat avec moi! Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles! Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, je le libérise. Bon, allons-y. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiquée.
explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner l'effondrement de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Ah non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on n'en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission. Celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Ha ! Vous en faites pas ! Allez, mettez-moi tout sur le dos ! Vos craintes ? Vos doutes ? Vos petits soucis ? Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus! Hé. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Coucou. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve au train? C'est pas possible. Un beau feu d'artifice de Mako. Impossible d'atteindre la gare. On doit la passer ailleurs. Bon, Cloud, par ici! Regarde en haut! Je suis ici! Un peu plus sur la gauche. Mon fils habite dans la... Regarde, c'est pas staff ici, fais attention. Pour monter, faut prendre les escaliers là-bas.
mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet arbre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Maman. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Oui. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. J'en veux pas. Allons, allons, ne sois pas aussi borné. C'est une vraie fleur. C'est précieux, tu sais. Tu peux l'offrir à ta copine. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... Tu ne me dois rien. Ne te moque pas de moi. De Gil, ça te va? Sérieux? Quand même, c'est peu pour une vraie fleur. Ben, 5 Gil alors. C'est vraiment pas assez, je trouve. En plus, je te l'ai d'abord proposé gratuitement. Mais... tu veux te débarrasser de moi? Quel culot! 5 guilles? Ce ne sera pas si facile que ça. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvaille. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah, tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi!
On devrait se séparer. Au revoir. Pose ton épée par terre, lentement. Je suis inquiet pour Cloud. Pourquoi il nous a pas rejoint? Faites pas cette tête-là. Je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Faut bien le reconnaître, les soldats sont une classe à part. Ouais. Je pense qu'on devrait l'engager. Bougez pas. Je me suis fait du mauvais sang. Et qu'est-ce que tu foutais, au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool. Alors, tu vois qu'on peut compter sur lui? Au fait... Il y a un truc que j'aimerais vous demander. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles? Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche, à mon avis. Une nouvelle arme de la Shinra? Ha! Dis plutôt que la truie t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. Cloud, j'ai besoin de toi. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça me perturbe de voir les dégâts subis dans le secteur 8. J'arrive pas à comprendre. T'as dit que c'était dû à des émanations de Mako. C'est pas ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai cru au début. Mais les réacteurs doivent avoir un moyen d'empêcher ça. Tu parlais d'ennemis invisibles. C'est bien ce que t'as dit. Ouais. Mais non. Au lieu de chercher des excuses, je ferais mieux de réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre. C'est ça. Sinon, j'arriverai jamais à m'améliorer. Cloud, merci de m'avoir écouté. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. J'ai eu de la chance de m'en tirer. Comment on peut détruire un réacteur? Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je pense qu'on connaît les responsables. Avalanche.
C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président, c'est ça? Ils cherchent à nous racketter ou quoi? Dites pas n'importe quoi. Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète. C'est ça, bien sûr. Chut! Arrête de le provoquer! Je crois que vous comprenez pas. Cette explosion est une mise en garde envers les vrais malfrats. Contre cette compagnie qui spolie la planète pour son propre compte. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. C'est même clair que vous la connaissez bien. Nous sommes soudés, et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Exactement! C'est ça, la mentalité Shinra! Vous m'avez quand même l'air bien stressé. Évidemment! Nous travaillons pour vivre, nous aussi! Allons-nous-en. Tu parles. Mentalité Shinra, mon cul, ouais. Faut que je te parle d'un truc. Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran. Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité. Je te l'ai déjà dit avant. Je suis pas... Chut. Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme. Tiens, regarde. C'est une représentation en 3D de la ville de Midgar. On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol, ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus. La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritables monstres pollueurs. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. Ça, c'est le trajet que suit notre train. La ligne décrit une spirale autour de l'énorme pilier principal. Tu vois? Maintenant, on est pile à mi-chemin. La zone de contrôle d'identité se trouve ici. Il est impossible d'y échapper. Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données. On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public. Tiens, voilà. T'inquiète, j'ai falsifié nos identités. Eh ouais, je suis plutôt douée pour ces trucs-là. On sera bientôt sur la terre ferme. Ça te réjouit pas? Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Hein? Moi, j'hésite pas à briser mes attaches. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi, mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. En fait, les gens sont comme ce train. Ils ne font que suivre les rails de leur destin.